stage m'a révélé une tumeur en dessous du sein. Alors qu'au mois de décembre, ça c'était au mois de mai, au mois de décembre j'avais été voir ma gynéco et je n'avais rien, rien du tout. Et jusqu'au mois de mai, rien. Pas mal, pas rien, hein, rien. On a fait une biopsie dans l'immédiat, enfin 10 jours après, et puis 10 jours après, bah, ça révélait le cancer. Mais bon, faut pas paniquer, faut pas. Faut aller tout de suite directement voir les médecins compétents. Il y a des infirmières de coordination qui vous dirigent dans les services. J'étais très bien soignée. Et les relations avec tout le personnel, c'est super. Comment c'est venu? C'est pas puisque j'ai pas eu de douleur, j'ai rien eu. Comment c'est venu? Même moi-même, en mettant mon soutien-gorge et tout, j'ai rien senti. Jamais. S'il n'y avait pas eu la mammo, je sais pas où c'est que je serais, hein, c'est sûr. La mammo, c'est très important, ça c'est sûr. Et il faut y aller tous les ans, à partir d'un. Même sans les dépistages, quand il y a des problèmes dans les familles, quand on est très jeune, je pense que faut que le processus se fasse vite. Voilà. Et maintenant, je suis suivie tous les ans et tout va bien.